Salut, salut, ici James45 pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va se retrouver sur le jeu World of Tank, un jeu de combat dont multijoueur dont une personne m'a demandé de faire une vidéo dessus et aussi me l'a conseillé, du coup me l'a demandé de faire une vidéo, du coup je fais une vidéo, voilà. Alors en commençant un peu ce petit jeu, je vais vous préciser quel processeur, carte graphique et carte RAM du faut pour ce jeu. Alors 2 gigs est disponible, une carte graphique 2008, même 2009, ça peut y rentrer. Après à la suite, ça y rentre, ça c'est sans problème. Voilà, du coup le jeu, si vous avez donc tous les trucs que j'ai dit, même plus, le jeu passe sans problème. Voilà. Alors du coup, comme vous voyez, je suis donc dans le garage du jeu. Alors il y a un tank anglais, allemand, français, donc j'ai déjà essayé le jeu en faisant une autre vidéo, mais j'ai raté parce que j'ai appuyé sur la touche et après j'avais plus le nombre. Et merde, ah j'ai dit tout à l'heure, oh j'ai oublié, c'est même le truc dans code 5. Ah, c'est pas grave, j'ai oublié, je vais pas m'agacer trop long. Ah, voilà. Alors du coup je vais commencer une petite partie au tout début. Alors c'est un free to play ce jeu, donc est téléchargeable directement sur le site d'origine. Vous devez donc créer un compte pour donc jouer en multiplay, comme d'habitude tous les jeux free to play gratuits, hein, bien sûr. Voilà. Alors donc vous me voyez déjà parler en hauteur. Alors c'est mon mumble, j'ai oublié de l'éteindre, mais je peux l'éteindre, mais je vais pas l'éteindre. Parce qu'après j'ai peur que ça fasse rebugger la vidéo. Quoique. J'y suis plus. Ouais, trop fort. Du coup, on va commencer tout de suite pour jouer. Vous me voyez, mon nom de YouTube, de toute façon, maintenant, c'est ça dans tous les jeux free-to-play, maintenant, c'est directement ça. Le chargement, du coup, je charge. Alors, il y a le FT-17, c'est les chars français, je crois. Je suis avec un char anglais, moi. Ah, ok. Je connais pas les touches par contre là. Je crois que c'est les flèches ou les Z. Je m'en rappelle plus. Je suis pas habitué sur les Z déjà. Non, je l'ai pas changé les paramètres. Les gens à la vue un petit peu plus loin. Alors déjà vous voyez que tout le monde est en char, en personne. Il n'y a pas de collègues bot en dessous. Il est quand même de m'écraser. C'est moi, t'as un petit char minuscule et c'est moi qui va me faire écraser. Là on a vu de 2D. 3D. Dont la première personne. Je dis quoi, 2D, 3D. Oh, oh la honte. Voilà, déjà. Vous voyez. Alors la précision déjà du char, je vais montrer. Voilà, ça c'est que taillé par là. Déjà. Je préfère vous le dire direct. C'est, faut vraiment attendre. Là, la précision, le temps que ça se fasse est longue. Je m'éloigne d'ici. C'est vachement mieux. Voilà. Alors les personnes quand même qui aiment donc des jeux de voiture ou complètement les guerres modernes, anciennes, désolé je vais me tromper, dont peut aimer ce jeu pour des raisons un peu de char déjà, pour un peu les maps qui ressemblent un peu à la guerre d'avant. Alors par contre j'ai remarqué, comme j'avais donc raté la vidéo, c'est en fait les personnes, je sais pas, ils sont tout le temps dans leur char, morts. Je vais pas l'aider à mourir celui-là. Ça se fera pas déjà. Si je descends en piqué, ça fait quoi? Alors bien sûr, je précise, ça va pas être une vidéo longue. Hein. Ça va être une vidéo très courte. Donc pour déjà montrer à la personne qui m'a demandé de faire la vidéo.
Et ben pour lui montrer un peu le jeu comment il est, ou s'il voulait voir comment je pouvais commenter le jeu là, pour voir un peu mes impressions. Moi là mes impressions va être très 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 mauvaise parce que je suis pas trop char, ou peut-être, ça dépend. C'est vraiment intéressant. Dans cette vision où je vois le char, j'aime bien quand même. Voilà. Alors je crois pas qu'on peut descendre sur cette map. Alors voilà, ça vise tout droit. On peut pas baisser la vision, c'est assez dommage, mais c'est réaliste. Voilà. Alors normalement la vidéo sera posée le 27/06/2012. Pourquoi? Bah, parce que je sais pas si je vais la mettre en HD. Parce qu'il me l'avait, dont la personne me l'avait demandé il y a un jour. Et le temps qu'en fait ça fasse la mise à jour, ça met quand même. Pour moi ça avait mis au moins 10 heures pour faire cette putain de mise à jour. Je déteste. Bon. Voilà. Alors le temps de réapparaître, c'est quand même assez galère en fait. Il y a des secondes à attendre tout ça, mais bon, pas grave. Alors je suis vraiment nul sur ce jeu, hein. C'est vraiment pas mon top déjà, et c'est pas moi qui vais être un pro gamer là-dessus. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors non, déjà pour le contrôle du véhicule, assez facile si je peux dire. C'est pas vraiment un char qui va vraiment tourner super vite ou tout ça. Là, c'est vraiment le temps que ça tourne, le temps de viser, c'est vraiment de loin, c'est galère. De près, c'est pas galère. C'est un petit tronc, c'est un petit inconvénient assez pas mal. Voilà. Alors, si la personne qui m'a donc proposé, je le connais bien d'ailleurs. Si bon, la personne a envie que je fasse des vidéos, il n'y a pas de problème, soit moi ça me dérange pas, c'est plutôt pour mes abonnés et pour lui que je vais le faire. Mais si j'en ai trop de personnes qui me demandent, je devrais donc choisir entre 4, 5 ou 10 ou 20 personnes, que ça va être galère. Alors me disais pas déjà les mêmes jeux. Moi ça me dérange pas de faire tout le temps des nouvelles vidéos sur les jeux qui commencent à sortir ou jours comme ça. Si vous voulez avoir un petit jeu, par exemple, t'es pas gratuit, mais à un prix quand même assez osé, je pourrais peut-être accepter si je l'ai. Si je l'ai pas, j'aurais dit attendez. Voilà, je ferais donc ça pour nous faire plaisir et pour voir que je suis utile. Voilà. Du coup, ça met du temps, c'est galère. Du coup, je vais aller au garage, je pense. Voilà. Alors, mon char français est revenu. Char allemand, allemand il est là. J'avais pris le char américain. Voilà. Alors, vous avez dans le menu dans paramètres, il y a le graphique 1900 moi. Le son où j'ai complètement baissé. Mes touches. Ah, je parlais régler ça. C'est quoi ça? Ah, ça sert à rien. Ça sert. Ouais, ok. Ouais. Du coup, en fait, vous avez tous les paramètres, tous les trucs qu'il vous faut. Alors, acheter de l'or.
Échanger de l'or. Convertir de l'XP en argent. Ok. C'est pas mal. Rechercher, donc après vous pouvez donc débloquer des nouveaux chars. Ah ouais, quand même. Allez, j'en fais fort, hein. C'est pas mal. Tous les chars qu'il y a, c'est vraiment pas mal. Char français. Lui, par exemple, il me plaît bien. Et je vous le dire, si je trouve un truc, un cheat pour de l'argent, je pourrais jouer pour essayer tous les chars. Pour pour vous dire comment ils sont, s'ils sont bien ou pas. J'ai trouvé ça, hein, j'ai essayé. Je suis pas souvent cheat moi. Bah je cheat pas, mais c'est que pour l'argent sur les jeux gratuits. De que sur des jeux de bagnole, tout ça. C'est les seuls jeux. Avec, par contre, je serai pas sur ce compte, je serai sur V2. Parce que je garde quand même un compte pour jouer à réalité, un compte pour un peu vous montrer. Du coup, voilà, je vais voir. Moi déjà, je suis pas trop ça, j'aime pas trop. Mais je vais voir. Là, c'est tous les chars, il y a tout, il y a tout de classé, hein. Par exemple, allemand. Oh. Wow, wow. Ouais, j'ai eu une pensée d'un coup, je me rappelais d'une photo où mon père était en fait ancien militaire d'entraînement ou genre comme ça. Et en fait, il y avait une photo où il y avait un char et du coup j'essaye un peu de le retrouver. Mais bon, je pense pas que je vais le retrouver. C'est un char quand même assez difficile à trouver des armes de sang. Non, ça ressemble pas à ça déjà. Ça peut ressembler à ça, mais avec un dos plus long. Mais bon, je vais pas chercher tout ça dans les vidéos quand même. Voilà. Je me demande si c'était pas un char. Voilà, genre comme ça, si je peux dire. Le nom, de toute façon, si on sait le nom, c'est tout simple. Voilà. Je raconte un peu ma toile de vie. Hein. MDR. Voilà. Alors moi, ce jeu dont je pourrais donc lui donner une note en tout et en tout, mais vraiment tout dans le jeu. Là, je vais pas enlever un truc. Une note de 12. Je pourrais lui donner une note de 12 parce que déjà ce jeu, déjà pour les 10 points, c'est parce que ça m'a quand même assez plu. Mais j'ai franchement, je vais pas y retoucher après, sauf si j'ai des amis qui jouent dessus. Bon, j'ai y aller pour m'amuser. Mais là, c'est vraiment une note banale. Mais si j'étais fan de ce jeu-là, je pourrais quand même lui donner une bonne note de 18-19. Mais pas 20, parce que la galère d'attente est très difficile quand même. Voilà. Voilà, vous avez un peu mon petit point dessus, sur ce jeu. Alors donc je remercie à la personne qui m'a fait conseiller le jeu. Je vais peut-être y jouer en demandant à quelques potes d'y jouer avec moi pour faire un peu des petites parties délire. Mais si j'avais peut-être un ami dessus, je pourrais peut-être dire une note mieux. Un 15 par exemple. Je pourrais même dire le 15 maintenant, mais non. C'est pas. Là j'ai pas mon petit point d'ami, j'ai rien, je suis tout seul, donc voilà. Du coup, je vous dis à plus à tous. Si vous voulez donc m'envoyer comment dire, si vous voulez que j'essaye des jeux, soit vous m'envoyez en message privé sur mon YouTube, ou sinon, ça sera sur la boîte email qui sera directement exprès pour ça. Donc vous me proposez, je ferai, il n'y a pas de problème pour vous, surtout pour mes abonnés. Allez, merci à tous, à plus, et bon jeu.